Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Gaelden. Salut Gaelden. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour notre petite fin de tour après avoir mis une fessée au méchant. Au méchant qui était méchant. Ouais, très méchant. D'ailleurs ils sont morts, c'est bien la preuve qu'ils étaient méchants. Qu'est-ce que tu veux, que je rejoigne la guerre? Mais non, je veux pas rejoindre la guerre contre Arwillon, connasse. C'est moi qui t'y ai entraîné. Je te l'ai déjà dit en plus. C'est moi qui t'y ai entraîné. Non mais oh, je crois pas que je vais t'aider non plus. Ça suffit un peu d'être débile. Je veux bien que ça s'appelle Total War. Je trouve que quand même vraiment au niveau de la diplomatie, il y aurait des trucs pas compliqués à faire. Et qui simplifieraient tellement le bousin. La diplomatie, elle est très inégale entre les Total War. Hein. Ouais, c'est clair. Je veux dire, là, tu pourrais très bien dire non, jamais, quoi. C'est pas la peine de me proposer, je ne ferai pas d'entrée en guerre. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te dire que c'est. T'as tendance à pas tout regarder tout le temps quand t'es joueur et que c'est le truc qui ferait que. Tu pourrais faire cette. Choisir de faire ça à un moment et. C'est bien qu'ils te le rappellent de temps en temps, quoi. Attends, ceci dit, la faux, il faudrait peut-être que je l'équipe. Ah bah, je sais pas. Tu dis que c'est un super truc, peut-être que c'est un super truc à mettre dans une vitrine et. Bah non, c'est à mettre sur Elspeth. La faux de la farde, ne serait-ce que pour le bonus de 7 qui me donne. Oh, chance de trouver des objets magiques plus 50%. Ah oui, chance de bataille de déroule. Ouais, bon. C'est pas. C'est pas le plus ouf comme bonus, je trouve. Bah, les héros, au maximum, c'est 10 ou 15, quoi. C'est pas... Oui, non, mais je suis d'accord. Le pourcentage est bon. L'intérêt... Après, si ton intérêt, c'est que t'as trop d'objets magiques, bah, moi, j'en veux bien quelques-uns. Eh bien, je ne peux pas te les donner. Ouais, hein. Tout de suite, les limitations. Ils disent tous ça. Bon, par contre, il y a une armée d'Arcaon pleine qui s'approche. Mais sans Arcaon, du coup. Qu'est-ce qu'on y a dedans? Garde du lion. Qui la rend tout de suite beaucoup moins dangereux. Ouais, bon, elle est pas... Enfin, il a pas mal de seigneurs, donc je vois pas trop leur niveau, mais... Vu leur PV... C'est peut-être pas des piou-piou, mais voilà, quoi. Bon, par contre, l'autre relou de Norska qui fait des allers-retours en mode rapide dans la flotte, là... Putain, c'est vraiment des spécialistes de cette manière de jouer, quoi. Ça m'énerve. Bon, et puis je vais m'attaquer à la forêt de Lorelorn, j'en suis désolé. C'est pas que je veuille, je vais même pas appeler mes alliés à l'aide, histoire d'éviter les problèmes diplomatiques en lien avec tout ça. Ça n'est que lié à moi. Ah, il fuit... Fuck. Tu fuirais pas devant Elspeth, toi? Victoire décisive, perte faible. Oui. Je ne vais pas la jouer. J'aurais presque pu, ceci dit. Hop. Allez. Et je peux conserver la couronne et l'améliorer pour la passer au niveau max. Je crois que c'est 3, le niveau max. Je crois aussi, ne me trompe pas. Plus 90 de relations avec l'Empire. Si ça me permettait de confédérer Reichland, ça m'intéresserait. Et je suis à 100 d'autorité impériale. Je suis désormais véritable héritier de Sigmar. Bien joué. Et ça, c'est pas anodin quand même. C'est quand même pas anodin. Non mais en plus c'est abusé parce que les armées que je dois me taper là, elles me donnent rien en rancune quoi. Là, il me donnait 200 de rancune avant lui, pourquoi ça a baissé?
Allez là, bon, on va sortir dans la mer, voilà, comme ça, on va le poursuivre sur son propre terrain. S'il a envie de venir me chercher, il viendra me chercher. Ça commence à bien faire, là. Au pire, je le coince, je me mets par ici, je le coince. Ça va le forcer à faire des détours, à faire des trucs peut-être un peu plus risqués. Je vais te passer Malfos. Yes. Je vais te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. La proposition est envoyée. Alors, attends, faut que... Du coup, j'avais passé mon tour, donc faut que je clique sur ça. Sur ça, sur ça. Sur ça pour enlever la fin de tour, et après que j'ouvre la négociation. Voilà. Échange de colonies Malfos. Oui, j'accepte. Et je suis désormais premier en force. Et du coup, ça m'a donné un étendard et une couronne de commandement. Parfait. Ah, pas rien. Ah, parce que ça a trigger le revenu d'au moins 6000. Ok, très bien. Alors... Bon, l'ordre public, c'est la merde. On va virer ça. Et c'est quoi? La corruption scaven, c'est moins 7. Ok. Du coup, on va pouvoir gagner déjà 7 de... Ah, j'ai zéro unité de garnison. Ok, très très c'est bien. C'est bizarre, si tu vas en avoir. Oui, elles vont apparaître, ouais, je pense, mais... Hop. Un petit trésor. Encore plus de sous. Merci bien pour Malfos, en tout cas. Bah écoute, tout le plaisir était pour moi. On va mettre de l'ordre public et de la corruption en moins. Yes, my... Ouh, une bâtonnette de feu d'améthyste, ça a l'air bien ça. Bah écoute, on essaye. J'adore le bonus bonne portée, effectivement. Des roquettes à vortex. Waouh. Des roquettes à vortex, des, quoi. Des petits soleils violets de Xerius. C'est ça que j'adore. Ah, j'avoue, c'est abusé. Ah, tiens, je pourrais mettre un ingénieur là-dedans. Ok, donc j'en du coup, pas. J'ai rien investi, donc on va construire ça. Je pourrais mettre un ingénieur ça. Ici. Recharge une munition plus 25. No. Ah, parce que j'aimerais bien aller m'occuper de Wulfric à un moment. Donc du coup, si tu pouvais mourir en Norskar, ça m'arrangerait. mais en silence. 2, 4, 6... Hop. Tac, tac. C'est sûrement plus vite fait de recruter une armée, mais j'ai tellement pas de bâtiments de recrutement, en fait. Aïe, aïe, aïe. Toi, je t'ai pas passé en auto encore. C'est le petit problème des chaînes de ravitaillement de Malakai, pour le coup. Greatest inventor. Denied. You're a pretender. La Norse quand même fait penser à l'IA des premiers Starcraft là, qui va foutre des trucs dans les coins de la map là. Saloperie. Te bloquer. Ou pas. Ah. Attends, j'ai encore un héros qui n'est pas déplacé. Boris. Ouais, toi aussi, t'es pas déplacé encore. Il s'est toujours pas débarrassé de Château Artois, quoi. C'est hallucinant. Il a toutes les armées qu'il faut pour le faire. Mais non, il attend, tranquillement. Putain d'IA, je te jure. Et il est où, mon 0? Mon 007. Il a deux gardiens des secrets dans cette armée. Waouh. Ça va être un challenge quand même, celle-là. Sylvain Meridional. Tac. Tirlande. Hop. Et hop. Hop, non, pas plus.
aussi, 4. Allez, 4. Hop. J'ai trop de sous maintenant. Le temps que je dépense tout. Si je veux le faire de façon un peu intelligente. Hop, niveau 2. Et j'ai plus de sous. Ordre disponible, putain, ça ne règle pas. Diplo. Ah mon dieu, je gagne trop. Ah bon, je faisais rien, hein. C'est toi qui lag. Ah oui, non, mais ça, je sais bien que j'ai pas besoin d'aide hein, pour laguer. Reichland, mission alliée. Celle-là. Ah, c'est vrai, maintenant j'ai un allié, je peux peut-être faire des missions. Ah, attends. Je crois qu'on a même pas d'ennemis en commun. Est-ce que je peux pas lui piquer une armée, Reichland ? Alors, si je peux, mais j'ai pas assez de points encore. Je sais pas si le fait de lui piquer une armée, ça peut contrebalancer les questions de puissance pour la Confédération. Ah oh. Je me demande. J'avoue. Ça peut se tester, ouais. Est-ce que ça s'est considéré dans ta force et enlevé de la sienne ? Je sais pas. Bon, Katarina, elle se relève, on dirait. Bah, en même temps, je me suis un peu occupé de... Je l'ai un peu mis sous perf, on va dire. C'est clair. Après, elle a plus aucun potentiel pour s'étendre, donc... Non, je ne vais pas déclarer la guerre à Arguilon. Et tu les entraînes dedans, assume un peu. Faites la paix. Assumez, merde. C'est pourtant pas compliqué. Tiens. Ah, il était en train d'assiéger, il sort de sa ville ? Enfin, de son arbre ? Non, c'est... Non, non, il va se petit suicider puisqu'il n'y a plus de... Ah oui, t'avais déjà pris son truc, ok. Ouais. Ah. Sérieusement ? Oh non, mais c'est abusé. Il est ressorti. Ah oui, il est revenu sur Terre et. Alors il est revenu sur Terre, il attaque et moi je suis en bateau à côté, je suis pas en renfort. Eh ouais, les bateaux sont pas pris en compte dans les renforts, c'est naze. Et bah c'est pas grave, à la rigueur il est là, maintenant je vais pouvoir le défoncer. Ah non, il t'a pillé, très bien. Ouais, mais ouais, il est pas parti très loin de toute façon. Ok, alors, pétons des fesses. En plus, du coup, ça fait 429 de rancune. Je prends. Il se replie, le salaud. Ouais, c'est vraiment surprenant. N'est-ce pas? Viens par là, mon gars. Viens mourir. Alors, j'ai un bannière d'étendard en os de liche. On met ça sur des petits cuirassiers de nul, là. Allez, on va pouvoir aller s'occuper de Wulfric. Très bien. Voilà, on a le plus sain d'unités de rancune par armée. Et bien sûr, du coup, on est hyper éloigné, donc... Je pourrais pas redonner les unités. Alors, il faut que je pille, mais si je fais ça... Bon, on marche, les gars. Et merde, je vais pas pouvoir le prendre. Bon, c'est la fée... Maintenant, c'est la fée enchanteresse qui va finir... Le tertre, sauf que du coup, j'avais deux missions qui m'auraient permis d'améliorer encore ma diplomatie avec... Carlito, que je vais pas pouvoir faire à un tour près. Fuck off. Condia. Tu lui dis qu'elle fait pas son boulot et quand et du coup elle le fait et pas au bon moment. Alors, du coup, Elspeth. Eh ben, je vais peut-être m'attaquer moi à Azazel. Me demander quand est-ce que lui le ferait, mais là je commence à avoir deux armées qui sont plutôt bien placées pour le faire. Donc c'est pas impossible que ça commence à valoir le coup. Alors du coup, peut-être m'en regarder pour le faire. Il se barre, mais quel enfer.
Et l'autre, il va les piller avec son mec tout seul, là, mais c'est pas possible. Vas-y, je vais recruter un seigneur, juste pour aller lui buter la tronche. Et là, je vais le laisser sortir. Ça, c'est très bien. Je vais l'assiéger et le laisser sortir. Il commence petit à petit à me les briser menu. De justesse, on va les assiéger. Donc, Elspeth. Là, c'est qui? Ah bah tiens, Vulfric qui commence à se rapprocher de mes terres. Je sais ce qu'elle va faire, Elspeth. Elle va pas déclarer la guerre à Azazel. Elle va essayer de maintenir l'unité de l'Empire. Pauvre bichon. Ici, est-ce qu'on peut faire le dernier bâtiment? On peut faire le dernier bâtiment. Allez, on va le faire. Alors, en termes de technologie, qu'est-ce qu'on a débloqué? C'était pas mal. Krag qui se balade. Tiens, je sais pas pourquoi, ce Krag, il a plus de colonies. Ah, il a peut-être des campements encore. Eh oui, s'il a des campements, ouais. Où est-ce qu'ils vont être les campements de... Parce que ça peut lui permettre de survivre pendant longtemps. Pas mal d'aller chercher ça. On va prendre ça. Ils sont chiants pour ça, les ogres. Il est en guerre contre Barakvar. Mais non, il n'est pas en guerre contre Barakvar. Donc en fait, il doit chercher à venir me rejoindre. Le petit 5 de déplacement, là, il me fait plaisir. Alors, on peut améliorer un truc. Ah bah oui, il y a Malphos, du coup, on n'a plus rien, donc il nous faut... Ah, il me faut plus de sous, sérieux. Merde de la guerre. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une petite quête que je pourrais faire éventuellement? Est-ce que je peux pas téléporter Malakai pour faire sa bataille de quête, là, puis on en parle plus. C'est derrière, hop. Alors oui, je suis en mode campement. Là, voilà, je suis plus en mode campement. Merci. De rien. Alors à quoi c'est censé ressembler? Oh. À un potentiel massacre. Allez. C'est tellement bien dit. Attention, il a une harpie. Alors. C'est quoi, c'est une quête d'aventure ou... Non, c'est sa bataille de quête pour avoir les yeux de Grungin. Hein. J'avais jamais trop pris le temps de faire, hein, donc il est temps. Quand on s'ennuie. Quand on chasse Archaon. C'est ça. L'ingénieur qui avait réussi à bricoler des fusées de détresse pendant sa captivité. Oh oui, elle est chiante cette bataille. Je te le dis. Je spoil pas. Non, tu spoil pas. Je spoil pas. On a des renforts attendus, tiens. Ok, pourquoi pas. Ouais. On va se battre dans la neige. Très bien. Je laisse décider de la stratégie et puis... Je me tais. On va voir la petite cinématique, je pense. Alors.
Let's free our king with our Ungiala, shall we? I bet there's all kinds of poor starts trapped in those mines. Our engineer friend can free him if we provide some good old black powder distraction. Those dark elf Wazzics aren't gonna know what's hit them. Whatever that black arc throws at us, we'll crack their heads and send them packing back to Magan. Ils ont une arche noire, parfait. Oui, mais il n'y a pas le, les bombardements ou autres de l'arche noire. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Pourtant, vu le texte, c'était sous-entendu. Alors, à quoi ça ressemble ? Triompher des elfes noirs et libérer leurs prisonniers. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de prisonniers visibles pour le moment. Donc, on n'a pas leur sécurité à cœur, on va dire. On sait qu'ils vont avoir des renforts. On sait que nous, on va avoir des renforts. Est-ce qu'ils sont, ils sont pas tout à fait à portée des canons ogres, mais genre, si je les mets devant... Ah, ouais, ils sont à portée des canons ogres. Ça peut être une... Ouais. Dis-moi. Non, ça peut être bien, je pense. War Machine ready. War Machine ready. Perspective de leur défoncer la gueule à coups de canon ogre, à mon avis. Ouais, je pense, je vais te les donner, je pense, pour le plaisir. Je sais que tu aimes ça. Elle a bien récupéré ta catapulte de rancune. Ouais, mais c'est pour ça que je m'inquiétais pas trop. Bon, les gyros, cette fois, ils vont peut-être un peu moins chargés. Alors fais gaffe qu'il y a une baliste faucheuse derrière. Ouais. Il a une baliste faucheuse, ouais. C'est ce que je vois. Il peut faire mal. Si elle focus les gyros, elle peut leur faire mal. Pour le moment, elle est un peu derrière. On verra si éventuellement on peut contourner. Alors, on va mettre. On va mettre comme ça sur les flancs. Sur du massacre. Tueur derrière. Massacrer à coup de canon ogre. Allez, ouais, toi aussi, les canons ogre. Ah ouais, t'as raison. Fais gaffe à ces sombres traits derrière. On peut lancer si ça te va. Vas-y, vas-y. Alors, nous devons occuper l'armée pendant que le maître ingénieur libère les prisonniers. Très bien. On va donc progresser un petit peu pour voir. Avec les canons, je vais focus la baliste. Ça me convient. Nos unités cachées sont découvertes. Oh no! Ouais, même alors qu'ils sont derrière une butte, tu leur fais tellement mal au son de retrait, quoi. C'est vraiment fort, en fait, les canons ogres. Orgue. Ah, mais c'est merde. Hyper fort, hein, franchement. Moi, j'adore cette unité. Je les ai peu joués, putain, vache. Ah, mais c'est absolument ouf, hein. C'est... Rien que le fait de pouvoir tirer plusieurs fois. Et en plus, là, l'aventure, c'est... Ça augmente leur temps de rechargement, ça augmente leur expérience, ça augmente leur vitesse de déplacement. Ils ont retranché, là, normalement, maintenant. Bon, la baliste, elle a un peu mal. Ah oui, non, c'est pour ça que j'aime bien les mettre devant. Hein. Face à des unités qui chargent, c'est pire que les arquilleurs, quoi. Que les arquebusiers. Ça fait hyper mal. Bon, ces sœurs du massacre se sont faites massacrer. Ouais, c'est ce que j'avais prévu, les canons orgues sur les sœurs du massacre. C'est parfait. Sons des gyrocoptères avec lui. Ok. Parfait. Il nous apporte des gyrocoptères. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. J'avoue que je suis un peu bluffé quand même. Hein. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il avance pépouce, quoi. Ouais. J'avance, mais surtout pas en courant. Hein. Je me fais défoncer. Là, il pourrait courir un peu, j'avoue. C'est un peu abusé. Je suis serein.
Franchement, je suis sûr. Ah, les renforts arrivent. Sans doute parce qu'ils se demandaient pourquoi ça prenait autant de temps. Alors, les renforts sont sur ce côté-là, de l'autre côté de la forêt. Ok, très bien. Préparez-vous à les accueillir, les gars. Oh, putain. L'unité d'affrelance qui s'est faite, mais dépouillée. Là, je me fais charger. Je peux pas charger, rien, il charge sur les côtés. Il y a juste son héros, là, qui... Ah, mais c'est bon, ouais, tu... T'inquiète, son héros? Non, mais... Non, non. Tu stresses trop, Gael. Ah non, je stresse t'es pas. Comme non, à 4. T'es comme à 4. Moi, je suis toujours en mode, mais non, mais les mecs en face, ils ont des trucs de fifou, rien à foutre. Bon, ceci, il y a du monde qui arrive vite, hein, sur le côté. Mais bon, oui. Ah si, il y a du bombardement. Je vais me réorienter du coup. Hop. Oula. Tu lagues. Ah oui. Ça arrive aussi parfois. Ça fait partie des options possibles de lag. Là tu. Ah non, c'est les prisonniers. Tes longues barbes qui prennent cher. Les canons sur l'hydre de guerre, mais l'hydre de guerre est plutôt pas fraîche. On a le droit de ça, tout céder, parfait. Vas-y, active tes attaques enflammées, mon chou. Et alors vous tirez plus, vous avez plus de munitions. Ouais, c'est la première fois que je vois le... Comment il s'appelle la... L'esprit de Grungy qui prend un peu cher. Ouais. Ouh, ça souffle. Un petit souffle enflammé là. Ouais, tes longs barbes qui finissent par fuir. Ils ont fait le taf. Ah, les exécuteurs de regard maquis. Autant dire que je suis pas super inquiet. Non, non, mais là, c'est effectivement, c'est bien géré. Ils sont vaincus. Les vaincus, c'est beaucoup pour une seule personne. Ils retournent chez eux, et le maître ingénieur veut nous prêter allégeance. Rentrez chez vous. Espèce de gros vilain pas beau. Je me disais pourquoi ça se termine pas. En vrai, ils étaient chez eux, hein. C'est juste qu'ils avaient enlevé des nains et qu'il fallait qu'on punisse ça. Oh putain, les canons. Oh la vache. Gaëlden, 40 ans, subit une révélation. Mais non, en fait, je les ai très peu joués sur ma partie avec Malakai. Et j'avoue que... Bah... Moi, ouais. je les aimais beaucoup je crois que c'est de Warhammer 1 où j'avais fait ma campagne naine, c'était vraiment les unités top tier à l'époque. Ou un truc similaire, quoi. Et du coup, je les aimais beaucoup, je les trouvais vraiment très très efficaces. De toute façon, c'est le genre d'unité que j'aime beaucoup dans tous les Total War. Les artilleries que tu peux mettre en première ligne et qui sont capables de stopper des charges, c'est hyper efficace. Mais du coup,
Là, quand j'ai vu qu'il y avait une aventure avec les canons, même si c'est une aventure qui est hyper compliquée, en vrai, il faut aller se battre dans les terres désolées, buter des mecs qui étaient hyper loin de chez moi. Je me suis dit, je prends les canons gratos là. Tous les jours, je les prends, les canons gratos. Il y a sympathique comme bataille. Et j'ai jailli. Ah ouais, Malakai a eu une épouse naine, excellent. Les femmes elfes, les femmes naines, ça existe? Eh bah écoute, il a eu une épouse naine en auxiliaire. Et du coup, il gagne les œufs de Grungy, c'est quoi? Avec tous les alliés, portée 10%, projectile perforant 10%, dégâts licence de base 10%. Ouais, c'est pas mal, ouais. 4 réussis, ça nous fait 500 rancunes, c'est toujours ça de prix. Et on récupère un héros maître ingénieur. Un héros, exactement. Qui apparaît dans la capitale. Parfait. Très utile. Et qui apparaît level 1. Ouais. Bah, ça fait moins rêver d'un coup. Il nous reste une place là. Ouais, ou alors est-ce que ça vaudrait pas le coup de lancer une nouvelle armée du coup. J'ai recruté un mec là-bas pour s'occuper de. Ah, je pourrais choper le changement plutôt. Où là? Choper le changement avec Elspeth. Alors ici, ça dépend, on passe comme ça. Oh, et puis alors la reconstitution, c'est abusé. Félix qui a perdu 50% de sa vie, un tour de reconstitution et full life quoi. Parce que je sens que Wulfric qui vient de tomber sur le rable. Cela ne m'enchante guère. Un peu de la merde. Ces capacités en vrai, ça me donne quoi après? Ouais, pas ouf. Je pense que je vais pas trop aller dans ce sens-là. Par contre... Ça c'est bien. Puissance de feu des Daoui. J'aime bien le nom de cette compétence. Du coup, une petite couronne de commandement pour toi. Right, I'll tinker. Vengeful rune lord. Pas mal ça. Bane of demons. Tu vas prendre ça et ça, ça sera très bien. Et du coup, on a récupéré des sous qu'on va pouvoir investir à Malfos. Ah, j'avais pas vu, il y a Louen aussi sur Chatwork. Ils sont coordonnés, t'as Louen d'un côté et la fée enchanteresse de l'autre. Ils vont choper la dernière ville de Kemler, de Kemler, d'Einrich Kemler. Ah bah il va pouvoir se faire plaisir. What? Who's mad enough to follow me? Et Carlito qui est pas loin. Lyonès n'a pas disparu, ça c'est quand même assez exceptionnel. Je n'ai même pas fait confédérer encore. Bon, globalement, ce côté-là, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, Nkari? Est-ce qu'il s'en sort? Alors toi, tu fais quoi dans ta vie? Blessé, voler, bloquer l'arme. Ça peut être pas mal, on va t'envoyer devant. Ivresse qui a l'air de pas trop mal s'en sortir. T'as dit que t'avais commencé à voir une armée de Wulfric? Eh oui, mais qui m'arrive sur moi. Sur les régions nord-ouest, en fait. Ah il oui, est, tout il là-bas. Est, il est tout à l'ouest. Ouais, mais même sur toi, il y est pas, quoi. Il y est pas à ce tour-ci, mais il y sera au suivant. Donc je peux tranquillement arriver dans son dos pour te oui. Soutenir moralement, quoi. Ouais, je te remercie. Non, mais le soutien moral, c'est important. Tout à fait. Salaud. Du coup, on va essayer de partir par là.
Ah, c'est marrant, le nain il s'appelle Durak au front. Au front pour un nain. J'ai beaucoup trop de héros en fait. C'est problématique, j'ai plus assez de place dans mes armées pour des troupes quoi. Allez, on passe le tour. Assaut. Ah oui, parce que t'as siégé. Oui, ça c'était logique, donc ça va faire de nouveau une bataille un peu costaud. Ah, une vraie bataille, cool. Ouais. En défense. Ah, il a pas beaucoup de magie, ça c'est cool. Il a que 32 magie, il veut pas trop me. Bah écoute, on va se la faire petite sauvegarde et puis on la fera lors du prochain épisode. Eh bah, j'imagine bien. Ah, et le retour de Transiforme, quoi. Et le retour de Transiforme, c'est quoi Transiforme ? C'était la troisième armée de renfort. Ah oui. C'est celui qui était sorti sur tout le côté, la dernière bataille. Et oui, c'est quasiment la même, ouais. Le même groupe. Mais du coup, pas de trottes, par contre. Non, là, il n'y a pas de trottes, il n'y a pas de Gorich non plus. Avec 32 magie, okay. Il va lancer deux sorts et c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a que 3 rats ogres. Non, là, ils vont se faire défoncer. C'est surprenant la défaite valeureuse. Ouais. Ah bah oui, mais ça, c'est... Bon, voilà, il a quand même plus d'unité que moi. T'as super batterie tonnerre mais... de feu. Ouais. Ouais. Ah non, ça va piquer. Ça va piquer. Eh bien écoute, je propose de s'arrêter là. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde.